yawe nazomo na kembo oyo te mobembo mobembo ya kondima na singise makasi ya kozela bilaka ata na boloko na yebi na kosimba opesanga makasi pesanga makoki opesanga mayele ngana salela yo mukano ngai na zuwa eza ya motema nakotika yo te na menekulusu nasingise makasi ya kozela bilaka ata na boloko nayebi na kosimba opesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele nga nasalela yo pesanga makasi pesanga makasi pesanga makoki pesanga makoki pesanga mayele pesanga mayele nga nasalela yo pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele oyebi motema oyebi motema oyebi mabanzo bisika na suki wana nde mobandi nasengi makasi nasengi makoki nasengi mayele nga nasalela yo Oh, sala, yango de nazar.
bunda ngai moko yangone seni nayo oh tambe yaka kosunganga oh na etumba oh tambe nakokite ko bunda ngai moko yangone seni nayo oh tambe yako bundelo oh Yesu, yon tambe, apalingo nanga yo. Oh nasengi na yo. Oh tambe yaka kosunganga. Oh na etumba, oh yon tambe nakokite ko munda. Alléluia, merci Saint-Esprit pour votre...
direction que tu as prise, Saint-Esprit. Continue à agir, Saint-Esprit, merci. Alléluia, nous allons prendre le psaume 23 avant de laisser la parole au serviteur qui va annoncer aujourd'hui. Nous allons nous lever, nous allons déclarer cela plus fort, à haute voix, amen, pour que là où il est, l'ennemi se dise, ses enfants sont en train de déclarer que l'Éternel est leur berger. Alléluia, je ne vais pas toucher, parce que l'Éternel est leur berger. Dès que vous êtes prêts, on y va. Alléluia. Amen. On y va. À toi. Vous demandez pas, maman Mélanie. C'est bon, maman? Allez, psaume 23. Allez, c'est parti. Nous allons déclarer tous en haute voix. Quand il dit la vie. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu imbuiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Acclamons le roi des rois. Alléluia. 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 Amen. 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 Nilobanayo, Yesu. Nilobanayo, Ezalinguya.
Amen. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment précieux qu'il nous offre pour que nous puissions parler à son nom. C'est toujours un grand privilège quand nous nous rassemblons ces lieux. Quand j'ai vu le message passer ce matin, je me disais c'est en substance une invitation solennelle. Nous a écrit ceci ce matin. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, oh, des frères, de demeurer ensemble. Je vous exhorte, mes bien-aimés, retrouvons-nous ensemble. Qu'il est doux, oh, des frères, de demeurer ensemble. Et il y a une illustration qu'il fait toujours usage. Il fait allusion aux braises, dont le bras zéro. Ce qui le cas des amoko, malgré mon pépé, ce qu'on a le couché. Maintenant, vous avez belé, mon pépé Zabouya. Voilà. Donc, il est vraiment doux et agréable que le frère demeure ensemble pour s'exhorter. C'est là que la main de l'Éternel agit. La fois dernière, nous avions réfléchi sur la question de nos rapports avec Dieu, mais aussi de nos rapports envers nos prochains. Et ce message était basé sur l'évangile de Matthieu dans ses chapitres 6 et 7. Nous avons commencé au chapitre 6 pour donner la suite à notre réflexion qui était basée au chapitre 7. Nous étions bien arrivés à la conclusion qu'il était nécessaire que nous nous réformions d'abord nous-mêmes avant de juger les autres. Et comme procédé que la parole de Dieu nous recommande, c'est de marcher dans la droiture, la simplicité, la charité et l'humilité. Car avons-nous dit qu'il était surprenant qu'un homme puisse être dans une condition pécheresse et misérable et ne pas en être conscient? Nous en sommes. Mais aux autres, c'est réalisé que nous sommes tous. Quel homme devrait avoir une poutre dans ses yeux et ne pas la considérer parce que les dieux de ce monde aveuglent son esprit? Banzambe ya mokilo basé belé, ba masanga, ba lukuta, ba ekobo, ba nini, nous sommes Ezali Banzambe ya mokilo. Il aveugle. Lui, il pense qu'il est dans les biens, c'est normal. Mais il voit les autres. Mais c'est quoi cette histoire? Pas mon pénignon. Donc, c'était très étonnant de voir cet état de choses. Cet après-midi, nous allons parler d'autre chose, de quelque chose d'appel. Parler d'autre chose, je vais donner lecture. Elles sont nos aînées. La parole de Dieu. Je vais lire Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11, la parole de Dieu déclare ceci: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pendant la direction, nous avons lu la pensée qui était quasiment similaire. Quand nous lisons Psaume 23, 6, oui,
Le bonheur et la grâce m'accompagneront. On déclare ça. Nous déclarons, c'est une déclaration. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est une déclaration que tu fais. Et d'aller au Tangaté. Tu prends un engagement. Tu dis ceci, oui. Tu acceptes. Tu confirmes. Tu le déclares, oui. Le bonheur et la grâce. Mais là, quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous avons fait la déclaration, nous avons entendu ce que dit Jérémie ici. La question que nous devons nous poser, c'est de savoir, mais comment tout ceci se passera? Nous sommes bien d'accord que Dieu nous a créés pour que nous vivions le bonheur et en paix, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. La question reste entière. La question est, pourquoi ce projet ne s'accomplit pas dans nos vies? La question demeure. Pourquoi ce projet ne s'accomplit pas dans nos vies? La réponse saute immédiatement à nos yeux, sans évidence. Et nous disons la cause, c'est le péché. La cause, c'est le péché. D'où vient le péché? Tout simplement parce que nous n'arrivons pas à respecter la parole de Dieu, quand bien même nous nous appelons croyants. Et non disciple. Je vais vous expliquer pourquoi je dis croyant et non disciple. Ne pas respecter la parole de Dieu, c'est que nous la transgressons. Nous avons péché. Mais en ce moment-là, nos déclarations et vos croquisamandés, nous sommes toujours séparés de l'Éternel, bon aussi canaillé. C'est une réflexion. Nous avons fait des déclarations, nous avons entendu. Le pourquoi de notre existence. La promesse. Derrière la promesse, on le répète, il y a une exigence. On promet. Mais à notre tour, qu'est-ce que nous devions faire pour que cette promesse se réalise dans nos vies? Pour être disciples, nous devons respecter scrupuleusement la parole de Dieu. Car Dieu veille sur sa parole. Si nous demeurons en elle, c'est demeurer. Et quand nous lisons encore en Jérémie 12, et l'Éternel me dit, tu y as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et quand nous lisons davantage dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 7, Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez, demeurez c'est rester. Demeurez ce n'est pas venir goûter partir. Demeurez c'est rester. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous avez accepté? Oui, disciple, demeure. Ne viens pas goûter. Oyez. Et ensuite, tourne le dos. Tu dis maintenant, mais wana salabate. Il y a un souci. Il y a une promesse. Il y a une exigence. On t'a promis, applique-toi, persévère sur cette voie-là, demeure, tikalawana. Kotambola tambola pambate. C'est justement ça la conséquence logique de toujours vagabonder dans les églises, sous prétexte que kuna nguye zate, kuna nguye zali. La question est simple.
Parfois, tu bêtes. Quel est ce Nguya? Et Zali, l'église, ou en est en église, nous soutenons. Parce que nous faisons profession que de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'Nguya. Le Saint-Esprit est unique. À moins que ce soit deux choses. Que dans notre église, les alliés, mon livre, mon souci. Et que dans OEO, où tu es appelé mon livre. C'est le même esprit. Pour ça, les là, mon livre, mon corps. Toujours ça, les là, Zambé, mon corps. Les alliés, ben, Zambé, les gens qui les ont, on va pas. Non, toujours ça, les là, Zambé, c'est mon corps. Donc, il est question ici pour nous de demeurer Pandawan. Applique 3. Et Dieu qui est derrière sa parole va pouvoir l'exécuter et t'accordera ce qu'il a promis. Le problème avec les croyants, je m'excuse des termes, nous l'avons dit, c'est l'indiscipline. C'est ça le problème avec les croyants. L'indiscipline. La désobéissance, le désordre, la mauvaise conduite. C'est ça le problème avec les croyants. Pourtant, ces choses ne font pas les cultes de Dieu, mais plutôt les cultes du diable. Le désordre, la désobéissance, l'indiscipline, la mauvaise conduite n'est pas de Dieu. Ce n'est pas les fruits du Saint-Esprit. Des ordres et des embêtés. Une personne désordonnée. Excusez-moi les termes. Il y a de l'ordre. Il y a l'obéissance. Il faut qu'on respecte sa parole. Par le but des mains. Il n'y a pas la mauvaise conduite. Parce que notre modèle, notre référence, c'est Jésus-Christ. Dès son passage sur cette terre, il est resté le même. Il n'a pas tergiversé. Il a effectivement accompli sa mission. Tenté, modèle d'union. En ce qui concerne le diable, il vous dit résister. Où qu'il m'a été, résiste. Parce que lui-même, il a été tenté. Il a résisté. Et le diable a fui. Il a fui. Il dit, moi, ma mère, il n'a rien. Et donc, vous voyez, il y a l'ordre, il y a la discipline, la conduite est bonne. On se réfère à notre modèle. Alors que dans l'autre camp, c'est, oui, quand les gens s'engagent dans le satanisme, ils respectent les règles. Ce qui va l'obinailler, à minuit, juste, lève-toi et fais des incantations. C'est exactement cette heure-là. Il n'y a pas de demi-mesure. Si tu enfreins la règle, aux yeux et tout, subvention. Quand on t'exige les sacrifices, tu es obligé de les faire. Ne pas les faire et tombe les alliés immédiatement. Maintenant, quand nous le boutons, on choisit. Nous choisissons ce qui nous convient. Et nous pouvons le faire à temps comme à contre-temps. C'est un désordre. C'est de l'indiscipline. Nous devons demeurer, nous devons respecter les lobas. Et ensemble, il y a moins d'équilibre. Autre chose, c'est que nous devons aller à la quête de la vérité. Sinon, nous faisons fausse route. Qu'est-ce que nous dit l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32? Jean, chapitre 8, verset 32, je lis ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La question est, où trouver cette vérité? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Où trouver la vérité? Il y a un passage biblique qui nous est familier. C'est Apocalypse, chapitre 1, verset 3.
Dans Apocalypse 1er chapitre 3, qui te rappelle, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux, heureux, ceux qui entendent, ceux qui lisent, Otangi, Oyoki, Obombi Yamo, Obomba Pete, Soukanou Fosala. C'est ça l'objectif. Eh. Donc, autant dire ici qu'implicitement, on renvoie la Bible. C'est la Bible que nous devons lire. Parce que ces paroles de prophétie y sont écrites. Nous devons faire usage de la Bible pour découvrir la vérité. C'est pour découvrir la vérité. Nous lisons pourquoi? Parce que quand nous serons confrontés à une chose, nous devons regarder si effectivement ce que nous avons entendu ailleurs est conforme aux Écritures saintes, à la parole de Dieu. Quand tu n'as pas lu, quand tu n'as pas entendu, et qu'on te dise des choses. On a pu donner l'exemple dernièrement ici d'un enfant. Même ceux qui ont commis la sima, pour effacer ce qui était déjà rentré dans sa tête en premier. Donc, quand tu es allé à la découverte de la vérité et qu'on a été relaté des choses qui sont approximatives, tu peux opérer un choix, dire Kuna Bonza Mesalité, nous verrons ça. Et garder Boyami, Oyoza Nango, tu as découvert. Nous avons cette faculté-là. Parce qu'à nous tous qui sommes ici, l'Esprit de Dieu est là. Oli Wanda Mesan Abiso. Activons. Vous voyez? Nous avons l'obligation de lire, d'entendre et de garder les paroles de prophétie contenues dans la Bible. C'est dans elle que la parole de Dieu y a été consignée. Autant dire que quand nous fermons notre Bible, nous ne voulons pas que Dieu nous parle. Oui. Quand tu fermes ta Bible, tu veux tout simplement dire, ne me parle pas. Je n'ai pas envie. Je me parle. Ouvre ta Bible. C'est un bon exercice pour que nous disions disciples de Dieu, disciples de Jésus-Christ. Ouvrons notre Bible. Elle contient une sagesse inégalée. Mais bien aimé, la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Pour vous en rendre compte, quand vous lisez Hébreux chapitre 4, verset 12, Hébreux chapitre 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque a des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est vivante et également efficace. Nous avons dit que Dieu connaissait, a formé pour nous les projets de paix et non de malheur. Nous avons également fait la déclaration ici que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Nous avons essayé de comprendre, est-ce que c'est possible que l'eau est comme ça, mon amour, un abissou, tout le monde, ce qui est salémité, on a mis, il faut qu'on se comporte en disciple. Un disciple a des caractères. Pour déduire ces caractères, nous pouvons encore lire la parole de Dieu. On ne va se servir que d'elle. Lisons Proverbes chapitre 4, verset, on va lire un petit peu, verset 20 jusqu'à 23. Proverbes chapitre 4, verset 20 à 23, je vais lire. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, la parole de Dieu est consacrée, le banzambe est consacré, et zali en haut. Ce qui te consacre, la monnaie n'a pas symbole, ton commun à l'eau banzambe. Oui. De cette lecture, nous en déduisons les caractères suivants. D'être attentif. Prêtez l'oreille au discours. Prête l'oreille. N'aïlo banzambe. Garde la parole au fond de notre cœur. Moutou. Ce qui a prêté moutou kanaïe. Non, moutou moussou, ça veut dire qu'il y a aussi la moussouté. C'est l'autre, l'emprunteur, qui va l'utiliser. C'est la même chose que nous. Quand nous prêtons nos oreilles à Dieu, nous disons souvent que quand on s'habitue aux choses, aux insanités, on emboîte les pas. Quand on s'habitue aux choses divines, prête ton oreille à mes discours. Yoka malobanzambe prêté et zali. Kopesa. Excusez-moi, linga, on a toujours juste été. Mais et zali, ko, voilà, je vais dire, netsuko kaba. Donc, matoi na yo, attention na yo, na lino banzambe. On ne peut pas tout le bagage, le banzambe, tout comme il faut ça, on est tibas choua mi balé. Il y a un moment, tes oreilles entendent des choses qui ne sont pas tout à fait correctes, et à un autre, au keyo, le banzambe, il y a confusion en toi. Ça l'a été la plupart du temps, au bandaoyo, comme à l'oba, au yézali, en zambé. Oh, il y a un mot qu'on va au sal, on n'a. On ne peut pas s'habituer aux choses qui ne nous donnent pas la vie, les choses qui nous conduisent à la mort. Ce n'est pas très correct. Et donc, garder la parole au fond de notre cœur. Mais bien aimé, quand on a réussi ça, nous devenons des hommes extraordinaires. Car la main de Dieu sera sur nous, et par conséquent, son esprit opérera en nous. Et nous vivrons les surnaturels. Quand nous avons réussi à être attentifs, quand nous avons réussi à prêter l'oreille à la parole de Dieu, quand nous avons réussi à garder la parole de Dieu au fond de notre cœur, nous ne sommes plus considérés comme des êtres naturels. Parce que c'est l'Esprit de Dieu en ce moment-là qui agit en nous. Vous rappelez, quand nous avons pris notre baptême, nous avons accepté Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, c'est un effort du quotidien, et nous avons été également, c'est une exigence, baptisés de l'Esprit. C'est ce qui scelle notre communion avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu en ce moment-là agit en nous. Donc, comme il n'a pas qu'à se dire, il y a un Esprit qui habite en nous, qui opère avec nous. Et quand nous avons ces statuts, on n'est plus considéré comme des hommes naturels. Nous l'avions dit l'autre fois. Batoyo, mon lit, mon abamoisa, tourner toujours vers le mal. Non. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Nous choisissons plutôt à faire du bien. Nous devenons charitables. En nous posant toujours des questions avant d'agir. Et ce qui conduit, bon, mon abisho, les alliés, toujours le bayanzabe. C'est très important. Donc, nous devenons des personnes extraordinaires. C'est l'intérêt, justement, de garder notre corps sain, pur.
Et ça, c'est aussi le combat de tous les jours et de chaque instant. Quand nous voulons agir, posons-nous toujours la bonne question. Est-ce que mon action fait gloire à Dieu? Quand cette action ne bénit pas le nom de l'Éternel, Tikayamo, change de camp, change de position, change de direction, trouve une autre solution et Zalikaka. Voilà. Et dans ces conditions, nous demeurons toujours dans la présence de l'Éternel. Et rendez-vous compte quand nous lisons de ce que nous disons, quand nous lisons 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, la parole de Dieu nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et davantage, quand nous lisons dans Éphésiens 4, chapitre 4, verset 30 à 31, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du millier de vous. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au millier de vous. Ces choses que nous avons citées ne font pas culte de Dieu, ne servent pas l'Éternel. L'animosité, onyama, l'amertume, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, ça ne fait pas gloire à Dieu. Mais bien aimé, nous l'avons dit en lisant Apocalypse, que le temps était proche. Et ces constats, nous l'avons fait ensemble. Faisons attention aux faux messages. Faisons attention aux fausses prophéties. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Le temps est proche. Je vous rappelle quelques passages bibliques pour que vous vous en rendiez compte. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, la parole de Dieu nous dit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Plus encore, 1 Jean chapitre 2, verset 22. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Davantage, 1 Jean chapitre 4, verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est dans le monde. Il y a plusieurs signes. Et quand vous plongez davantage la parole de Dieu, on vous dit, il y a d'autres signes. Et toutes ces choses-là, nous les vivons aujourd'hui. Donc, il y a lieu de conclure qu'effectivement, trompette ou anna, le temps est proche, effectivement, le temps est proche. Il nous appartient à nous, il y a vraiment davantage s'approcher de la réalité, s'approcher de la parole de Dieu. Car aujourd'hui, effectivement, nous vivons des choses horribles qui confirment effectivement la parole de Dieu. La fois dernière, je vous ai fait voir que quand on survolait le net là sur YouTube, on a vu une personne qui s'appelait prophète de Dieu qui transformait l'eau en jus. À Jumaï, à Tchena Mounani, à Sali Ben Katatunaye, et Koni Fanta. À la télé. Le prophète. Nous avons vu ça. Moi, en voyant ça, je me suis posé la question.
à quoi cette action-là édifiait le peuple de Dieu. Est-ce que le fait de transformer maï en jus est coutu comme un mot dans le bon moment? Sincèrement, je ne pense pas. Je ne pense pas. À moins que cette personne ait une petitesse d'esprit et dire, ben, n'a qu'un des cas, parce que nous, on veut toujours voir. Mais davantage aujourd'hui, regardez sur YouTube. Les prophètes, parce qu'il y en a tellement nombreux, effectivement, comme on vient de donner lecture ici la parole de Dieu, ce sont des choses prédites. Vous savez que ça devait se réaliser. Et c'est arrivé. Il y en a. Et il y a un qui est d'ailleurs en cours. C'est une publicité qu'on a vue il y a une semaine. Et c'est en cours de ce mois. Il appelle le peuple de Dieu dans la réunion Wana pour Abinisambongo. Son message, Mama ya Ndunda na we tambolakate, Mama ya Pondou, ceux qui pondou na we tambolakate, Yom ta commerce, ceux qui te, Yaka ou Sambongo. C'est quand même. Oui. Mais moi, quand je parle de la parole de Dieu, je pense que ce procédé-là n'est pas tellement logique. Parce qu'il y a des exigences, la promesse, elle est là. Nous avons fait une déclaration. Et d'ailleurs, quand la semaine dernière, l'autre semaine, nous l'avons lu, nous avons ce pouvoir de rentrer dans notre chambre, de prier, de formuler des demandes. Et notre Père qui est dans les cieux, nous répondra. Seul. Oye, au milieu, tu dis oui, je suis pécheur, c'est vrai, mon Dieu, je péchais. Voilà. Mais mon problème, nous aurons une solution. Parce que le procédé nous a été donné. Imaginez, prenons un exemple. Je suis malade, je veux voir le médecin. Le médecin, après consultation et tout ça, il établit son ordonnance. C'est une ordonnance, c'est une loi, c'est une prescription. Moi-même, je vois, je crois que on ne jette pas, c'est une ordonnance, ordonnée. C'est une prescription médicale, c'est une loi. On peut dire ça comme ça. Ça veut dire que pourquoi nous ne prenons pas ces produits-là en face du médecin? Il dit, j'ai ordonnance qu'il ne soit pas boire ça chez toi. Et tu y vas, tu achètes, tu vas chez toi, tu bois. C'est la même chose que la parole de Dieu. On nous l'enseigne. On l'a décodé pour nous. Mais faisons application. La semaine dernière, le dimanche passé, le pasteur l'a dit. Mais quand vous êtes attesté, quand vous avez des soucis, quand vous avez des inquiétudes, nous avons récit autant de passages bibliques. Au lieu qu'il dirait cette nuit-là pour mieux traiter, que tu prennes ton téléphone et que tu te connectes avec des gens, peut-être que tu ne connais pas. C'est Internet, que tu vois des choses peut-être qui ne t'édifieront pas. Mais Soni Lobayanzambe, Tanga Yango, c'est ma consolation. On a décodé, c'est ma consolation. La jubiliano. Oui. Et à la suite, peut-être, Yako Tanga Yango, tu peux même être emporté par le sommeil. Peu Olaï Madame. Amen. Et le pasteur lui-même disait, Olaï du bébé. Parce que tu as repris l'énergie, tu es rentré en communion, l'ilobayanzambe. Mais quand on vous dit, venez, je ne pense pas que Dieu soit notre garçon de course, qu'à chaque fois qu'on lui donne des ordres, qu'il exécute, Nzambe, le 9, j'ai appelé les gens pour qu'ils viennent avoir des dollars, et puis à qui tu sais, pas dollars. Quand on sait que la parole de Dieu, on nous l'a enseigné ici. Ce que ta main est capable de faire.
de bon cœur. Les pas moliens Gozama. Nous voulons qu'on parle de nous tout de suite. Mais on te dit, quel que soit le boulot que tu as, fais-le de bon cœur. Toi, tu as l'obligation de faire. Laisse faire. Fais. Et le reste, la bénédiction, tout ça, une déclaration à haut. C'est derrière ça qu'on va te bénir. Je ne pense pas qu'on soit encore à l'étape de manne qui tombait dans le désert. Parce que nous avons les canaux, les différents canaux, qui permettent à ce que la main de Dieu agisse sans nous. Ce que ta main est capable de faire, fais-le. Mais quand toi tu appelles les gens pour dire, non, on peut ça va en bon. Quand on y a un jour, on a dit, bah, on a mal, on a faim. Oui, nous voulons imiter Dieu. Mais ça pose quand même quelques problèmes. Et donc, de cette façon, nous allons un peu à l'encontre de la parole de Dieu, mais nous sommes dans l'imitation. C'est pour cela que nous allons essayer d'analyser la naturelle. Parce que nous l'avons dit, que quand nous associons notre naturel avec l'Esprit de Dieu, nous devenons extraordinaires. C'est-à-dire que directement, sans qu'il y ait intervention. Nous sommes attentifs, nous cantons la parole de Dieu, nous prêtons l'oreille à la parole de Dieu. Nous devenons extraordinaires. C'est-à-dire nous pouvons dire des choses et ces choses s'accomplissent. Parce que nous sommes en communion avec mon salisier Moko. Nous sommes en communion. Mais ils ont commenté parce qu'on s'éloigne. C'est là la nature pécheresse. C'est quoi le surnaturel? Le surnaturel, à ce message aussi pilule, hein? Vous voyez, des séminaires, des réunions, des conventions, on vous dit, venez vivre le surnaturel. Ouais, c'est quand même, ça interroge un tout petit peu. C'est quoi le surnaturel? Le surnaturel, c'est ce qui dépasse les forces et les conditions de toutes les natures créées possibles. Le surnaturel, c'est ce qui ne peut pas trouver d'explication à travers la science. Le surnaturel, c'est ce qui échappe à nos connaissances. C'est le surnaturel. Nous ne pouvons pas maîtriser les résultats de ce qui est arrivé. Nous ne pouvons pas trouver d'explication par rapport à ce qui s'est produit. Ce n'est plus naturel. Parce que le naturel, nous le savons, nous pouvons l'expliquer. Qu'en prenant ça, on associe à ça, ça donne ça. Mais quand ce qui s'est produit échappe à nos connaissances, nous ne sommes plus du domaine du naturel. Comme le domaine est surnaturel, c'est comme le don de Dieu. Ce n'est plus du naturel, ça. Tu ne peux pas te poser la question, mais comment c'est arrivé? C'est notre application. C'est la pratique qui fasse à ce qu'effectivement, l'un ou l'autre soit habile à faire telle chose dans le domaine de la chrétienté. Nous ne pouvons pas trouver d'explication. Mais là, notre explication vous dit, coronavirus est octobre la poignée. Parce qu'il y a des gouttelettes qui circulent. Tant où il y a respiré, il y a mosu. On peut donner une explication, mais les surnaturels n'auront pas d'explication. Ça pose problème. C'est quand même des questions qui nous hantent. Mais bien aimé, est-ce que tout ce qui est surnaturel et inexpliqué est d'origine divine? Tout ce qui est surnaturel et inexpliqué, comme nous venons de le dire, est-il d'origine divine? Je dois être humble pour répondre à cette interrogation, sans préjuger de l'origine exacte de ce phénomène. C'est très compliqué. Nous pouvons cependant constater que certains signes sont manifestés par des instruments d'origine diverse. Quand nous entendons parler des anciens satanistes ou ceux qui sont encore dedans aujourd'hui, qui font des témoignages, ils vous disent, ils citent même de nous,
qu'un tel homme de Dieu est venu me voir pour qu'en soulevant son mouchoir, va pas couiller. On se pose la question, va pas couiller. Donc, dans ma juve, c'est naïa, tout le monde va pas couiller. Je vais expliquer. Il y a aussi des musiciens mondains qui vont chez lui de la même façon pour battre pas aller dans un concert, après ça va pas mourir. Donc, ces hommes de Dieu et ceux qui font, ceux qui sont acolytes du diable, vont chez lui pour avoir justement la puissance, la super puissance, et après ils s'abattent pour battre pas aller. C'est quand même une question. Voilà pourquoi nous disons que signe, quand nous analysons, quand nous examinons les procédés, nous disons que ces signes sont manifestés par des instruments d'origine très diverse. Nous serions bien imprudents d'interpréter ainsi tout ce qui nous semble merveilleux, car il existe une différence fondamentale entre les naturels et les merveilleux. Un raisonnement trop sommaire voudrait que l'on confonde les deux, parce qu'ils participent tous, les deux, au mystère. Au mystère. Un raisonnement sommaire, à première vue, on dirait que c'est la même chose. Mais le mystère n'est pas encore le merveilleux. C'est seulement quand l'incompréhensible, l'essentiel et le surnaturel ont résisté à un certain nombre de tests et qu'ils sont passés pour nous, disciples de Christ, au filtre de la parole de Dieu et de la prière. Amen. Qu'alors et alors seulement ils peuvent revêtir le caractère du merveilleux. 1 Jean chapitre 4, verset 1, la Bible nous dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, Amen. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus au monde. Amen. C'est la parole de Dieu. Éprouvez les esprits. On se pose là, nous avons une liberté. Voilà pourquoi nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons voir ce qui se passe. Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ça? Tous à la table, tu dis à Gondima, oui, non. Mais la parole de Dieu qui dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvons. On peut éprouver n'importe dans votre langue. Voilà la nécessité de lire. On peut éprouver n'importe. Si nous avons la vie, nous jusqu'à ce qu'on nous a même utilisé pour manger l'herbe comme les animaux broutent les herbes. Ils sont mimés quand même. Mais quand on a la connaissance, tu te poses la question. Dans ma tête, il y a quoi? Ce n'est pas ça, ma nature. Ce n'est pas ça ma nature. Ma tête n'a roulé en dunda. Ma tête n'a roulé en médecin en moi pour nous. Il faut respecter la procédure. Mon repos n'a pas ma tête n'a roulé en moi. Pour ceux qui n'ont rien à côté, et ça n'a allergie. C'est ça l'important. Donc, éprouvons. Et pour éprouver, il faut nécessairement lire la parole de Dieu. C'est pour cela que quand nous confrontons la parole de Dieu finalement, quand nous l'avons éprouvée, et quand nous lisons Jérémie chapitre 14, verset 14, la parole de Dieu nous dit ceci. Et l'Éternel me dit, c'est les mensonges que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Quand on y est au jour, on y est sur le et le même à Kambozo, on y est, on y est, on y est, on y est, on y est,
que le Lorenza, mais au moment, il dit, et l'Éternel me dit, c'est les mensonges que prophétisent à mon nom, les prophètes, et je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé, ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qui est le prophète. Vous voyez la confusion qu'il y a entre nous-mêmes. Collier va bien engagé, Gauthier va comment bien engagé, Gauthier. Moi, je suis d'origine kassaïenne. Le Tchadika, par exemple, n'est pas d'origine Congo. Mais pour tromper la vigilance, va comment bien engagé, Gauthier Bishima. Gauthier Bishima, ça veut dire que bateau va na Congo Kuna, comme ils ne savent pas Bishima. Il y a une confusion. Oh, Bishima veut dire miracle. C'est au nom de Jésus-Christ que les miracles viennent. Ce n'est pas au nom de Gauthier. Et quand je me retrouve dans ce coin-là, Gauthier Bishima au Congo, et tout le monde crie Gauthier Bishima, Gauthier Bishima, pensant peut-être que c'est ça Congo Nangaï et tout ça. Mais non, c'est ce nom que j'ai ajouté, peut-être. Voilà pourquoi nous l'avons dit. C'est une formule magique. Exactement. Voilà pourquoi nous avons dit que Bilokowana, c'est d'origine diverse. Et nous devons éprouver les esprits. Prophète Tia Tia. Prophète Tia Tia. Non. Il y a un souci. Yoke na kasaï kuna. Bakasaïen ba ebi tia tia te. Tia tia za feu feu. Moto moto. Et là, on a trompé la vigilance. Ce sont des tromperies. Je ne les ai pas envoyées. Et ça dit ma prophétie, Oyo, et ça au cadre vraiment à Yohanzabet. Vous voyez, dans le christianisme moderne, face à certains phénomènes surnaturels, certains ont pris les partis d'attribuer systématiquement à Dieu tout ce qui est inexplicable. Souvent simplement par crainte de blasphémer contre le Saint-Esprit. Cette attitude condamne les croyants à accepter tout ce qui ne peut s'expliquer, ce qui est dangereux. C'est dangereux. Si l'apôtre nous conseille d'éprouver les esprits pour vérifier qu'ils viennent de Dieu, c'est parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Voilà pourquoi. Ici, en Enoyamung, nous disons, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. C'est la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Il n'y a pas d'astuce ici. Toloba, l'iloba yanzambe. Nous, on nous a enseigné ici que tant que le ciel et la terre ne passeront point, aucun iota, il n'y a mon côté, il n'y a pas de l'iloba. Mon côté, Toloba qui s'était, Toloba qui s'était. Comme il est écrit, Toloba yango, bongo. Nous avons les armes. On a décodé des choses. Il nous appartient tout simplement à nous de les pratiquer. Et de cette façon, la main de l'Éternel agira sur nous. Davantage, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. On ne falsifie pas. Qu'on rebâtisse la tête, qu'on nous le livre, qu'on nous soute, tant qu'il y a un peu. Et puis, merci, Manayangonde, l'opico, parce que c'est la mission principale, c'est sauver nos âmes. Bilogo yamokiliza n'a pas complément. Tant que pour Bongwani, nous sommes comportés normalement, le reste nous sera donné par-dessus tout. D'abord, c'est le royaume des cieux. Le reste,
Et ça, mais nous, nous avons compris parce que ces gens comprennent comment nous vivons et les difficultés que nous éprouvons. Et ils se disent, bateau, il faut que nous avons un peu comme ils toucher le thème, ils viendront. Ils servent leurs propres intérêts. Ils ne voient pas les intérêts. Il y a c'est d'abord eux. Et de cette façon, c'est compliqué. Là, nous l'avons dit, on a parlé du surnaturel un peu, comme ça. Mais la question aussi, c'est de savoir, est-ce que le surnaturel existe vraiment? Et pour répondre à cette interrogation, je vais donner une longue lecture, c'est une illustration, pour que vous compreniez qu'effectivement, ces mots ont été détournés. Existe. Mais, ma pongoli trajectoire, maman. Je vais donner nom de Dieu. Il sera fondé d'Ézéchiel, chapitre 37. Je commence au verset 1 et je m'arrêterai au verset 14. Avec Ézéchiel, chapitre 37. Je commence au premier verset. On va aller vite. Comme il ne reste qu'une dizaine de minutes. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. La main de l'Éternel fut sur moi. Ça, c'est le prophète qui dit. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs du coup. C'est un qui est belé. Kranawa, Femurawa, Bako de Paiboye, Bao. Comment ça s'appelle encore une fois? Donc il y avait, du coup, un autre, c'était pas des squelettes. Les squelettes étaient ensemble. Mais, et c'est vrai qu'il y a Panzani, sur, tout autour de la vallée. Il me dit, et du coup, Awana va préciser, c'était sec. Donc, c'était, il n'y avait plus de la chair, c'était Ikaouka, c'était sec. Il me dit, c'est l'Éternel, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? C'est ça mon tout là. C'est pas la Bible à tout ni maï. Est-ce que nous pouvons avoir un moni? Et qui? Qu'on soit sous moni. J'ai répondu, Seigneur Éternel, tu le sais. Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise si ces eaux. Prophétise, déclare l'Oba. Et dis-leur, ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Hein, ça peut paraître une folie que tu te sautes, que tu te présentes devant les ossements et que tu commences à parler. La nuit soit beau moto et beau mes bandits. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Déclaration. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Déclare. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Ça, c'est inexpliqué. Il a prophétisé sur les eaux. Et il se rend compte qu'il a soudé un bruit. Aoki Makele. Bah, du coup, on a dispersé et qu'on y voit au sangana. Et ça, au sangana. Ça, même la science, vous voyez, même la science, comment vous pouvez expliquer ça? Que Mikoua, on a précisé, on a décrit sec. Quand Ézéchiel prophétise, Mikoua est banni au sangana. J'ai regardé, il regarde. Et voici, il leur vint de l'air. Mais quoi, comment on l'a mais si ça, la chair, Zoto,
crue. Et la peau les couvrit par-dessus pour se matir. Mais il y avait un point en eux d'esprit. Vous comprenez? Il n'y avait pas d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit. Viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Esprit. Voilà l'utilité de demeurer à la présence de l'Éternel. Nous sommes des hommes naturels, mais comme extraordinaire l'ennemi. Quand l'Esprit est avec nous, et nous l'avons dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Prophétise. Benga Molimo. Pona Milimo Mikuawana. Ekoka, Osabomoi, Ezabomoi. Il y a plusieurs ossements dans nos vies. Il y a plusieurs ossements. Bokao qui est belé, la bombe est abissée. Il y a un autre salut déclaration, c'est tomber à point nommé le psaume 23 que nous avons lu ici. Nous avons fait, on nous demande, c'est un ordre, fais une déclaration, l'opa. Il n'y a pas de prière, miouette. C'est-à-dire, au vendredi, ça n'existe pas. Il faut déclarer. Follow-pa. Il dit l'ordre. Il n'y a pas de prière. Fais une déclaration. C'est un ordre. Il me dit j'ai prophétisé selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se tairent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, je parlais et agis, dit l'Éternel. Nous devons faire des déclarations. Nous devons suivre la voie de l'Éternel. Tout le monde est à Tolanda, Oye et à l'Obi. Tolanda, Oye, Komani. Et l'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu agit. Quand nous faisons des déclarations et non pas quand nous restons, nous demeurons liés. Bien-aimé, notre bouche produit de la vie, mais aussi de la mort. Et quand nous lisons Proverbe 18, chapitre 18, verset 21, la mort et la vie sont pour voir la langue, quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc nous devons faire des déclarations pour qu'agisse le Saint-Esprit, sans quoi il n'y a rien. Et si vous voulez bien comprendre ça, je ne saurais pas lire parce qu'il nous reste 6 minutes, vous pouvez lire Genèse, Genèse que le premier chapitre. Et même le Ézéchiel 37, je n'ai pas pu. Le temps est vraiment assez volé. Donc, quand nous lisons dans Genèse 1er, il a fallu quelque chose. Il a fallu que Dieu parle. Parce que la terre était informe et vide. L'esprit s'est mouvant. Mais quand Dieu a fait des déclarations, bon, mon Dieu, comme il a rappelé, lisez chapitre 1er de Genèse. Vous allez comprendre davantage cela. Donc, c'était la première illustration pour dire que le surnaturel, effectivement, existe. La deuxième illustration, je vais lire celui-là, c'est tiré de l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 35, je lis jusqu'à 41, aussi vite que possible. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà.
Et lui, il dormait à la barbe de Jésus, à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent. Il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y a eu un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Jésus-Christ parle aux vagues, à la tempête. Ça peut paraître une folie, mais c'est surnaturel. Tais-toi ! Jésus-Christ n'a pas parlé à la mort, mais il a envoyé sa parole sur Lazare et non sur la mort. Il ne s'est pas intéressé à la mort. Il a envoyé sa parole sur Lazare. Quand vous lisez dans Jean, Jean chapitre 11, verset 39 à 42, Jésus dit ceci, « Ôtez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Ôtez la pierre !» Jésus n'a pas parlé à la mort, il a parlé à Lazare. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens, de par certains enseignements et de faux prophéties, a imprimé une peur en lui qui le maintient à cet état d'incapacité d'aller loin. Nous voyons que des sorciers, nous voyons que des... On n'arrive pas à réfléchir à des choses qui nous permettent justement de nous épanouir, d'aller loin. Alors que quand nous lisons dans Ésaïe, nous avons une garantie, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens dans ma droite triomphante. » Mais bien aimé, il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Nous lui appartenons et il prendra constamment soin de nous. Il ne nous a pas créés pour nous voir misérables. Il n'a pas sacrifié son fils pour nous laisser périr. Il n'a pas pardonné nos péchés pour nous laisser mourir loin de lui. Bien au contraire, nous serions étonnés de savoir à quel point Dieu nous aime. Il veut nous bénir. Même si on ne comprenons pas toujours pourquoi il permet telle et telle situation, nous avons l'assurance que jamais il ne nous abandonnera. Dans les moments difficiles, nous n'avons rien à craindre, car il veille sur nous comme un père aimant veille sur ses enfants. Quand l'inquiétude nous gagne, nous pouvons rester en paix. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Mes bien-aimés, Dieu opère dans sa souveraineté. Et pour que vous en rendiez compte, j'ai donné une lecture dans Ésaïe chapitre 41, verset 18 à 19. La parole de Dieu dit ceci. Je ferai jaillir de fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride au courant d'eau. Je mettrai dans le désert les cendres, l'acacia, le myrte, l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles les cibles, l'homme et le prix, tous ensemble. Et davantage, quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution, suivant la décision à soi dit, de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il n'y a personne qui puisse le bousculer. Ce n'est pas nos avis qui changent sa position. Nous avons été prédestinés. Et comment ma bongo? Je finis cette réflexion par ce passage, par ce message. Dieu a déclaré depuis longtemps par la bouche d'un prophète, mon peuple périt faute de connaissance. Nous sommes dans Osée, chapitre 4, verset 6. Or aujourd'hui encore, les chrétiens sont dominés, souffrent et meurent prématurément par manque de connaissance de leur Dieu et de l'environnement dans lequel ils vivent. Ce sera difficile dans ce pays-là qu'un prophète se tienne pour dire « Je vais rassembler 10 000 personnes dans une salle pour ouvrir aux adolescents. »
quand toute personne sait qu'à la fin du mois, il y a un salaire. Et le message tient compte de l'environnement. À Kinshasa, ils savent que on ne va pas même parler du chômage, qu'il n'y a pas de travail. Et dire aux gens, venez dans cette salle-là, dollars et croyez, nous remplirons la salle. Et toute exigence que nous imposerons à ces gens, ils feront. Parce que ils ne viennent pas pour sauver leurs âmes. Ils viennent tout simplement parce qu'ils ont intérêt que quelque chose change dans leur vie. Or, notre vie n'est pas ici sur terre. Les choses de ce monde sont éphémères. Voilà la parole de Dieu dit. D'abord, c'est hériter le royaume et le reste nous sera donné par-dessus tout. C'est par ces mots que je finis ma réflexion de ce jour. Je vous remercie davantage pour votre attention et prie à ce que vraiment Dieu puisse nous accompagner dans cette marche, dans ce chemin plein d'écueils. Il y aura sûrement beaucoup de combats, il y aura beaucoup de choses, mais nous devons retenir une chose, qu'il y a une promesse. Quand tu as une promesse, il y a également des exigences que nous devons mettre pour que nous puissions arriver au résultat. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole. Alléluia.